Avec Oli, monsieur classique physique, moi Victor, monsieur men's physique, on va aujourd'hui Who's the Stronger? Let's go! Fait que là, Oli, première fois moi que je fais ça, on fait un workout aujourd'hui, on le planifie live on spot, yes. On n'a pas un plan précis, fait que toi dans le fond c'est comme ça que tu t'entraînes. Ouais, c'est ça, dans le fond je vais tout le temps un peu comme au feeling, je fais mon workout à chaque entraînement. Fait que dans le fond, premier exercice, pour faire un peu comme un warm-up, on va faire du leg curl assis. Fait que on va commencer avec ça, je vais faire un peu les ischios. Ensuite de ça, on va aller faire des back squats, fait que vraiment un peu plus de pesant. Un peu plus de en force si on veut, là, neural. Après ça, on va embarquer sur un leg press, fait que question d'avoir un peu plus de stabilité pour pouvoir aller vraiment un peu plus taxer le muscle directement. Après ça, on va finir avec un peu plus d'isolation, fait que du leg extension pour venir vraiment là, pomper le quad au maximum, créer beaucoup de fatigue au niveau des quadriceps. Puis on va finir avec un peu de mollet. Yes sir, let's go, parce que les men's physiques ici ont besoin de grow leurs jambes un peu. Possible pour réchauffer un peu les muscles avant de faire des gros squats. Vous savez qu'on travaillait pas assez fort avec leg curl, fait que là il a décidé qu'on allait faire un petit drop set. Comme il dit, ça va être savage. Checker le gym, c'est legit la première fois que je vois un gym aussi vide. Il y a juste moi et Pioli en ce moment dans le gym, c'est son gym ici, dans le coin de Sherbrooke. J'ai fait la route, puis honnêtement, c'est juste mon goal. En train de die, c'est le premier exercice. Allez, let's go! Oli a déjà de la misère à marcher, puis on a juste fini le premier exercice. La direction au squat, là, ça va être brutal. Les ischios sont tellement pompés, je suis même pas capable de les tirer au complet. Ah! Let's go, premier set. Un enfant qui est vraiment incroyable à date du training, c'est vraiment comme vous l'avez vu au début de la vidéo, Oli s'entraîne vraiment avec l'intensité, il va au feeling, comment est-ce ça, puis ça, ça permet de pousser plus. Des fois, on se complique un peu trop la vie en entraînement, on va trop dans les méthodes scientifiques, dans les angles, dans les profils de charge. Des fois, il faut juste que tu laisses faire un peu le scientifique, puis tu es avec ta tête. Fait que la date, c'est ça qu'on fait en training, puis pour l'instant, ça donne de très bons résultats. Capuchon, knee wrap, belt, full setup du bodybuilder qui s'en va squatter deux plates. Let's go, Oli! Oli qui vient enlever son hoodie, puis Oli commence à faire chaud. Ouais! Le temps commence à être pas pire. Avec les petits chandails de la compète. Pour ceux qui n'avaient pas encore compris, moi puis Oli, on a fait la même compète au mois de juillet. La classique naturelle Popeye Supplement. Let's go, Oli qui s'en va. Troisième série, trois plates. On est là pour forcer aujourd'hui. Let's go, Oli! Let's go! Petit fell à trois plates. Fait que là, les mains physiques sont moins forts que les classiques, on le sait. Hein? Fait que là, on descend à 2,25. En espérant réussir à faire 10 reps avec ce poids-là. Moi j'ai arrêté à 3 plates, là Ali il tente le 3 plates et demi. Let's go. Il vise entre 1 et 3 reps. Est-ce qu'il va y arriver? Let's go, une! Let's go, let's go, il t'en reste une, il t'en reste une! Hop, 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 hop! Let's go! 3 reps à 3 plates et demi. Comment ça? Faisant! Oli, dans la série, il va tenter le 4 plates. Parce que je pense qu'il n'y a plus aucun argument à savoir qui est le plus fort au niveau du squat. Là. Let's go, Oli. Let's go. Hop. Easy. Hello.
Let's go, on donne tout. J'ai intérêt à me donner en ce workout-là parce que j'ai consommé un brain fuel sur la route en m'en venant au gym ici. 150 mg de caféine. Par chance, j'ai pas pris de café noir ce matin. Plus le energy drink que Ali m'a donné, je dois être à peu près à 350-400 mg de caféine aujourd'hui. Moitié du training, il nous reste leg extension, yes. Leg press juste là. Ali, comment on sent? Moitié du training fait? On s'en vient, là, c'est le temps de pomper la cuisse le plus qu'on peut. Là. Let's go! Et mon lit, on se sent comment là? On sera capable de marcher demain. C'est qu'il faut, on est là pour travailler. Là. Last one. Let's go, on tombe ça, c'est quoi ça? Faut que les jambes y trempent après. Avec des leg extensions. Je peux vous confirmer que s'entraîner au feeling, de ne pas avoir de plan précis en faisant son workout, ça fonctionne parce que mes quads sont pompés en tabarouette. Je suis détruit. J'ai pas l'autre mot, j'ai de la difficulté à marcher tellement que mes quads sont pompés. Mais là, let's go, reste un exercice. T'as encore fait une heure de route, faut tout donner. Les clients, je trouve que quand tu vas trop dans le scientifique, le monde sont tellement portés à, mettons, on va dire, compter le tempo, compter le nombre de séries, compter les répétitions, qu'ils oublient de se donner à 100%. Fait que là, ils ont un programme super bien structuré pour avoir des bons résultats optimales, mais ils se donnent à comme 70%. Fait qu'au final, ils ont quasiment moins de résultats que s'ils feraient, on va dire, un peu n'importe quoi, mais qu'ils se donneraient vraiment à 100%. Checkez-moi la définition des cuisses là, en mouvement. Là. T'as la différence entre des jambes classiques et des jambes main physiques. Bon, fait que Oli, dans la série du leg 2, ouais, on a tout, là. On vise pour un 20 reps. Là. Après ça, un peu de mollet. Ouais, on donne tout pour les cuisses. C'est vrai, faut pas oublier mollet. Okay, c'est important les mollets. Puis les cuisses sur 10? En 10. Un bon 10. Le coton il est parti, ça veut dire que c'est sérieux. Surtout dit qu'il faisait trop chaud. Let's go, let's go. Workout competition, monsieur classique physique contre moi-même, monsieur men's physique, is done. Je pense qu'on peut dire que le classique a gagné pour aujourd'hui en tout cas.
travailles encore à faire sur les jambes. Mais bref, Oli, qu'est-ce que t'as pensé de notre petit workout aujourd'hui? C'était solide, là, j'ai les jambes finies. C'est sûr qu'ils vont shaker tout à l'heure, même que je sors du gym, là. Puis en terminant, mettons, toi qui es entraîneur, ce serait quoi le meilleur conseil que t'aurais à donner à un jeune de 15-16 ans qui commence à s'entraîner, qui veut prendre la masse? Savoir trouver quelqu'un qui va t'aider avec quoi faire, puis t'entraîner quand même, tu sais, hard. Let's go, c'était les conseils du pro. Yes.